Eh bien, salut à tous les amis, c'est Davy et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, toi derrière ton écran, n'hésite pas à liker et partager ces vidéos à tes amis et surtout n'hésite pas à t'abonner, c'est très important, et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo, c'est très très important les amis. Et nous on commence la suite de la vidéo. Je sais que les amis, j'ai été très 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 longtemps à ne plus faire de vidéos courtes. Qu'est-ce que je me raconte, moi? Je veux dire, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos longues. Voilà, excusez-moi. Et je voulais m'en excuser parce que d'habitude je fais énormément de vidéos longues et maintenant je fais du contenu, on va pas dire pourri, mais du contenu où voilà, j'ai fait ça en même pas 30 minutes, un peu comme plusieurs personnes font, je ne citerai pas les noms, mais c'est pas du boulot, c'est pas entretenir sa chaîne. Du coup, j'ai décidé de reprendre les grandes vidéos. Donc, j'espère que cela vous plaira, les amis. Je sais que c'était une partie de rigolade de faire des vidéos courtes sur Brookhaven, mais je veux me remettre aux vidéos longues. Donc, c'est parti, les amis. Et aujourd'hui, les amis, nous allons parler d'ailleurs de la nouvelle mise à jour de Brookhaven. Et donc, cela consiste... à une nouvelle maison, tout simplement. Brookhaven ont mis en ligne une nouvelle maison qu'on va tout de suite aller découvrir en vidéo, les amis. Donc, elle est ici. Donc, voilà. Personnellement, les amis, je l'avais déjà découvert avant de faire cette vidéo. Mais je voulais avoir une réaction en vidéo, comme ça vous connaissez mon point de vue sur cette nouvelle mise à jour, les potes. Donc c'est parti. Donc voilà, on rentre ici. Voilà. Donc c'est un parc à jeux, voilà. Ici vous avez une petite cuisine. C'est beaucoup coloré par contre, c'est beaucoup beaucoup coloré. C'est pas mal, avec des petits arbustes à l'intérieur de la maison. Vous pouvez aussi manger et tout. Vous avez des petits parcs à jeux, vous avez des toboggans, vous avez de tout. C'est vraiment très très grand, les potes. Oh oh. Je suis tombé du toboggan. Enfin, j'ai plutôt glissé. J'ai glissé, chef. Et ensuite, vous avez quoi d'autre? Vous avez des lits, ok. Ça doit être des dortoirs, non? Non, c'est la maison. En fait, il y a un énorme... Enfin, il y a un grand parc à jeux. Une cuisine en bas. En fait, c'est une maison. On a l'impression que c'est un établissement pour jeux, pour enfants. Mais non, c'est une maison, en fait, les potes. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Ok, nous avons une salle de bain, les potes. Par contre, je ne l'avais pas visitée entièrement. Donc là, je la visite en vidéo. Donc c'est génial. Ok. Ici, là, c'est des dortoirs pour enfants. Hein. Avec... avec un petit parc à jeux pour enfants. Ici, vous avez des tunnels histoire d'eux pour que les enfants... et s'amuse à l'intérieur et tout. Ok, vous montez là. Ah non, on peut pas monter là. D'accord. Ok, c'est juste des formes pour passer dedans. Ici, vous avez une petite... un petit toboggan pour que les enfants puissent glisser pour aller jusqu'en bas. Donc, ok, c'est pas mal. Il y a même un parc à jeux extérieur. Donc ça... c'est plutôt pas mal. Alors là, il y a aussi une salle de bain. C'est ce que je n'avais pas vu ça avant. Nous avons aussi, un petit pot pour les bébés pour qu'ils fassent leurs besoins, je suppose. Sauf que là, c'est un, il y a un trou, donc je pense pas que ce soit un pot.
Ça ressemble à une cuvette. Je sais pas c'est quoi exactement, mais bon, c'est pas grave. Après, nous sortons par cette porte. Et, ok, il y a un parc à jeux extérieur aussi, les potes. Il faut le noter aussi, ça, c'est plutôt pas mal. C'est, voilà, il faut noter qu'il y a un parc à jeux extérieur et intérieur. Comme ça, au cas où que les enfants sont sous la pluie, eh ben, ils peuvent s'abriter pour aller à l'intérieur. Mais n'empêche que celui de l'intérieur est beaucoup plus grand. J'aurais préféré, si j'étais enfant, vous voyez, eh ben, j'aurais préféré prendre celui-là parce qu'il est méga gigantesque. Et il est super grand, quoi. Donc, celui-là, il est plus petit. Donc, voilà. Je préfère le plus grand, tout simplement. Donc, voilà, les amis. C'était la vidéo pour présenter un peu cette nouvelle mise à jour de Brookhaven. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et nous, on se dit à une prochaine vidéo. C'était Davy, ciao, bye les potes, bye.